Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sebi Daddy et le rappeur Booba qui se sont retrouvés hier à Miami, quelques mois après leur clash. Souvenez-vous, l'année dernière, Booba avait taclé Léa Marie sur ses réseaux à propos de sa chirurgie des fesses. Suite à ça, Léa Marie et Sebi Daddy avaient clashé le rappeur et ils étaient même allés jusqu'à déposer une crotte dans sa boîte aux lettres. Mais hier, alors qu'ils étaient en train de manger à Miami, Sebi Daddy et son ami Jolv sont tombés nez à nez avec Booba. Pris de panique, Seb est rapidement rentré chez lui. Visiblement remonté contre lui et Léa Marie, Booba les menace clairement et c'est violent. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Putain, mais merde, y'a Booba. Merde, il y a Booba. Il va me défoncer, il est beaucoup plus costaud que moi. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je cours. Oh, putain. Et je sais que Jolv il est encore en bas. Et Jolv parle à Booba, je sais pas ce qui se passe. J'ai trop peur. Il va me défoncer, il fait 4 fois mon gabarit. Comment est-ce que je vais faire? Là voilà, là c'est moi la paix, maintenant elle va passer par moi les gars. C'est bon. Non. Maintenant c'est que la paix, c'est bon. On parle de quoi là? Je te parle de la guerre, la paix. Non, on veut que la paix, c'est la bon. La guerre fait partie de la paix, frérot. Donc là, dis-leur, je viens croiser qui? Voilà, elle a de la chance, je l'ai pas reconnu avant. Mais moi, tu dois arracher ses cheveux, frérot. Moi et c'est son mec, le petit fils de qui est venu en bas de chez moi là, un petit fils de habite ici. Et voilà, je profite, c'est pas mes réseaux. Il peut sauter, lui, je m'en parle. Je vais t'attraper, je vais te niquer. T'as capté? M'en parler de paix. Ta meuf, je viens de la croiser, t'as de la chance, je suis pas mauvais avec les meufs. Sinon, elle voit. Je suis pissé dessus! Il va me défoncer! Il va me hagla! 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 Je vais te dire combien de je pourrais rien arranger, mais c'est franchement. T'as vu le problème, c'est quoi? Ils pensaient pas qu'ils allaient merder comme ça, le cop. Donc on va essayer d'arranger ça ou pas? En bleu ou pas? Ouais. C'est bon? Je vais les croiser. Là, je suis pas sur mes réseaux, je peux m'exprimer. Donc Sebi Daddy, je viens de croiser ta go là. Avec son gros cul en plastique. Hein? Voilà, je peux pas vraiment exprimer le fond de mes pensées. Mais on va se croiser. Hein? T'es venu en bas de chez moi? On va se croiser, poteau. Y'a pas le feu. Dans un mois, dans deux ans, tu vois. Voilà, tu vois. Bah, les gars, j'essaie d'arranger les choses et je pense que là, ça allait un peu trop loin. Donc là, il n'y a plus de terrain d'entente, les gars. C'est mort. J'étais totalement en entretien avec l'homme que vous appelez le cop. Ah, tu veux pas chez là? Non, je lâche pas. Vraiment. La zone. Jolzer Gang. On est là, les 9-4, gars. 9-4, on est là. Ça bouge pas, on est ensemble comme jamais, les gars. Les gars, la paix passera par moi, les gars, vous le savez. Bon, les gars, c'est simple, hein. Là, je suis avec cop. Là voilà, là c'est moi la paix, maintenant elle va passer par moi les gars. C'est bon, c'est fini, la guerre, tout ça, c'est fini ça. Maintenant c'est que la paix, c'est bon quoi. On parle de quoi là? Je te parle de la guerre, la paix, non on veut que la paix, c'est bon. La guerre fait partie de la paix, frérot. Donc dis-leur, je viens croiser qui? Voilà, elle a de la chance, je l'ai pas reconnu avant. Mais moi. Tu dois arracher ses cheveux, frérot. Moi et c'est son mec, le petit fils de là, qui est venu en bas de chez moi là, un petit fils de t'habite ici. Et voilà, j'en profite, c'est pas mes réseaux. Il peut sauter, lui, je m'en parle. Je vais t'attraper, je vais te niquer ta mère. T'as capté? M'en parler de paix. Ta meuf, je viens de la croiser, t'as de la chance, je suis pas mauvais avec les meufs. Sinon, elle, voilà, même elle, je vais enlever ses chicots, sale fils de pute.